Je suis abstenu. Vous n'êtes pas dans la liste des personnes. L'opposition est un féminicide. Vous êtes là pour nous défendre, monsieur. Pourquoi vous abstenez? Vous n'êtes jamais là-bas quand il faut voter. Vous êtes là pour nous. On a voté pour vous. Vous nous représentez. Et vous n'êtes jamais là-bas. Vous ne vous représentez pas. C'est honteux. Opposition, vous avez quoi? Venez ici. S'opposer. Je veux discuter. Bon, la dictature. Vous n'êtes pas dans l'opposition, monsieur. Il y avait des hommes armés, monsieur. C'est normal, ça. À croiser aujourd'hui la séparation des pouvoirs. C'est pas moi qui le demandais. Comment? C'est pas moi. Je vous filme pas, je vous filme le bas. On vous voit pas, monsieur. On vous voit pas. Mais là, on n'est pas. C'est pas Evelyne que Evelyne. On vous voit pas, c'est pas que ça. Là, on est des citoyens tous. Des citoyens, il y en a qui sont. Mais pourquoi vous n'allez pas voter? Donnez-moi. Pourquoi vous n'êtes pas allé? Je vais pas tout expliquer. Je vais dire. Ça s'intéresse, les citoyens. Ça s'intéresse. Ah, il manque. Il y en a d'autres qui ne sont pas de votre avis aussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui est de votre avis. Oui. Que vous ne dépassiez pas là-bas pour voter quelqu'un avec votre habit? Vous pensez ça? Il y en a qui sont de... D'accord, que vous ne y allez pas, votez. On vous paye. On vous paye pas rien faire. Qui sont écoutez, j'ai été trois semaines pour qu'il... C'est nos impôts, les par la terre. J'ai été trois semaines pour qu'il y ait la réunion. On fait... Tout à fait vrai, ce qu'elle dit, madame. Il faut parler. On est à l'Assemblée nationale à Tournerolles. J'étais là trois semaines pour climat résilience. Je serai pour le vote définitif parce que le vote définitif c'est dimanche. Mais on a besoin de vous. Mais c'est là maintenant que vous êtes en haut. Le vote définitif c'est dimanche. Mais pour ça c'est nos enfants. C'est honteux. Vous avez des petits enfants, monsieur. Le vote définitif c'est dimanche. Et dimanche, il sera. Mais il y a des gens qui votent. Il faut voter. Vous devez nous représenter parce qu'on a voté pour vous, parce qu'on vous faisait confiance. Et elle est où la confiance là maintenant?